自女八度，至微十五度，余辰在子，为玄霄。玄者黑，北方之色，霄者皓也。十一月之时，阳气下降，阴气上升，万物忧死，未有生者，天地空虚，故曰玄霄。其主depuis le début de l'humanité, tous les hommes ont regardé le ciel. Et en fait, ils se sont posés toujours la même question, c'est comment garder la mémoire de ce ciel qui comporte au moins 3-4 000 étoiles visibles à l'œil nu. Et évidemment, la première solution qu'ils ont choisie, c'est la tradition orale, c'est-à-dire de raconter une histoire à travers le ciel. Pour ça, en fait, chaque culture a créé des constellations, c'est-à-dire à regrouper les étoiles, ce que dit le mot d'ailleurs, constellation, c'est mettre les étoiles, stella en latin, ensemble, pour décrire ainsi des figures dans le ciel. Pendant plus de 4000 ans, en Chine, un ensemble d'astronomes ont été payés par les empereurs pour observer le ciel. Et en fait, c'est un petit peu par hasard, et dans un endroit très spécifique, qu'un des documents les plus extraordinaires de l'astronomie, la plus ancienne carte d'étoiles connue, a été trouvée. Elle a été trouvée dans une route légendaire, la fameuse route de la soie. Par quel concours de circonstances est-elle arrivée en Angleterre? C'est Susan Whitfield, directrice du projet international de Dunhuang, qui nous donne la réponse. In the 4th century, so in about 366 AD, a monk was wandering through Dunhuang. He was a Buddhist. He wanted to find somewhere quiet where he could contemplate nature and meditate. There was a little stream running by with trees, and he decided this was a perfect place. And there was a cliff face. The cliff was very friable, conglomerate, so it was very easy. He just sort of pulled out and made himself a little niche, if you like. And soon he was joined by another monk, and then over time, gradually, this became a whole centre for Buddhism. So they excavated caves, which were then plastered over, painted completely floor to ceiling with beautiful murals, and statues of Buddha and other Buddhist deities and figures were put inside the cave as well. At its heyday, there were between 500 and 1,000 such caves, yeah, honeycombing this, yes, cliff. And it was a very busy, thriving Buddhist centre. Buddhist monastery. Then in 1900, purely by accident, there was an itinerant monk who decided to make Dunhuang his home, and he wanted to restore the statues in the cave. And when he was restoring cave 16, the bigger cave, he happened upon the fact that there was a hidden door. His workmen who were moving sand realized that there was a hollow sound behind one section of the wall. So they knocked it away, and lo and behold, they found this wonderful little side chamber full of manuscripts. He showed the local officials, Chinese officials. There was a Chinese magistrate in the town who was in charge of Dunhuang. Yes. He said, well, can someone come and collect them and put them into safekeeping, sometime. But they just said, oh, well, keep them there. No, nothing really happened. Some reports had started coming back about ruined, deserted cities hidden by the sands, the Taklamakan and the Gobi deserts, and of a few manuscripts started coming out in unknown languages and scripts. And these, of course, excited the scholarly community terribly, and they all wanted to find out more. And there was a young scholar, or youngish scholar, who at that time was working for the British in India. He was actually Hungarian birth. He had many languages, and he was an Indo-Iranian scholar, Oral Stein. And he got funds and set out in 1906. He spent the winter of 1906, 1907, actually excavating en route to Dunhuang in the north, in the desert, these defensive walls. And then the spring of 1907, he got to the town. He heard about this manuscript find, which had been 7 years previously. Very excited by this, he met the guardian of the cave, and he got confirmation that there were manuscripts. And he looked at them, and he immediately realized how wonderful, yeah, yeah, and how important they were.
And so there was one unique document, a star chart. How do we understand that this particular manuscript, the unique one, is in the Dunhuang place? I know. Wonderful, isn't it? The serendipity of history. Yes, the star chart is the only star map in the Dunhuang cave. It's the only manuscript star map we have from that period in China, indeed. In the world, yes. So we haven't got anything to compare it with. We have no idea why it was in the Dunhuang cave. Its presence there is a complete mystery, but it is, as we will look at later, it's sort of a sophisticated document, so it probably wasn't alone at the time. There were probably other star maps around, and this was the only one that survived. Une des premières questions qu'on s'est posées sur ce document, c'est finalement sa datation. À quelle date il a été produit? Ce monastère a été créé vers l'an 400, il a été fermé en l'an 1000, et c'est à cette époque-là qu'on a scellé cette carte dans cette cache dans laquelle on l'a trouvée. Donc on sait déjà l'intervalle de temps entre 400 et l'an 1000. It's such a fine document, and the paper that was used to make it is so thin that if we go in transmitted light, if you allow me to show you, you will be able to see very clearly that the object was done in a very skillful manner. Now, if you imagine working with something this thin on such a scale and using, you know, the fine details and the ink, how it's been applied, it doesn't really seep through very much such a thin paper. Clearly it was meant to be an important object already when it was created. And this has been also confirmed by some fiber analysis that we've been doing. And it was pure mulberry and finely macerated. So those fibers are so strong and flexible, reliable, and that's another proof to me that this object was meant to be something important, something special, even when it was made. Le document de Dunhuang est bien conservé, mais malheureusement, il nous manque quand même la première partie. Dans cette première partie, on aurait pu espérer avoir la page de titre avec le nom de l'auteur du document. Mais ensuite, on voit des formes de nuages avec en dessous des colonnes de texte qui nous décrivent l'explication et les pronostics que l'on peut tirer de ces nuages dans la très grande tradition chinoise de tirer du ciel, en fait, une pronostication sur les événements futurs et actuels. Ces vapeurs étaient observées en cas de guerre ou en cas de bataille d'un camp à l'autre. Donc il y avait des observateurs, des spécialistes de l'observation des nuées qui donc, se juchaient sur une tour ou sur un promontoire et observaient les vapeurs du camp ennemi et en déduisaient donc des pronostics, savoir si il est favorable d'attaquer, par quel côté attaquer, etc. etc. Donc des pronostics de nature militaire, mais on constate aussi qu'il y a des pronostics qui ne sont pas de nature militaire. Par exemple, donc Chunfeng, c'est-à-dire probablement le fameux Li Chunfeng, le grand astronome astrologue du début des temps, dit que si dans cette préfecture apparaît ce type de nuée qu'il appelle une nuée des princes, princières, ou bien des ducs et des seigneurs, eh bien, si elles sont vertes, eh bien, il y aura des maladies donc, dans la région concernée. Si elles sont blanches, il y aura une femme. Là, malheureusement, je ne vois pas ce qui est écrit. Si elles sont noires, des brigands se répandront dans ce district. Voilà, par exemple, ce commentaire de cet astronome. Li Chunfeng vivait effectivement au 7e siècle, qu'il avait deux qualités, celle d'astronome qui lui permettait de dresser la carte complète des étoiles, mais aussi celle de mathématicien qui lui permettait de manipuler des projections mathématiques dont on sait qu'elles ont été nécessaires pour produire la carte. Et donc, très très probablement, ce Li Chunfeng est l'auteur de cette carte. Puis ensuite vient la partie consacrée aux étoiles, très très bien ordonnée, sous la forme de 12 panneaux. Le premier panneau correspond au début de l'année chinoise, au mois de février.
Chaque panneau représente les constellations visibles à ce moment-là dans le ciel. On reconnaît tout de suite une des constellations les plus célèbres du ciel, qui est la constellation de l'Orion, qui est facilement reconnaissable avec ses trois étoiles et ses deux étoiles brillantes de chaque côté. Simplement, pour les Chinois, c'était une constellation totalement différente. L'ensemble des étoiles d'Orion était associé au guerrier Shen, mais il avait à ses pieds un ornement précieux que les Chinois appelaient la constellation du Puits de Jade, qui sont ses étoiles en cercle. Et puis, en fait, il était armé de sa bannière, et ensuite protégé ici par l'armée des princes, qui voyageaient avec leurs cinq chariots. Et auprès d'eux, pour sans doute leur ravitaillement, on avait la coupe céleste qui surmontait le puits, lui-même surmontant ici le palais des eaux. Voilà l'ensemble des constellations qui sont ici. Et ensuite, cette espèce d'enclos d'étoiles était appelée par les Chinois le marché des soldats. Et de façon encore très amusante, puisque les Chinois mettaient dans le ciel les choses les plus concrètes, eh bien cette constellation ici était les latrines, les toilettes des soldats. Et le dernier panneau, il représente la région du pôle nord et toutes les étoiles qui environnent ce pôle nord qui est au centre de la carte. Pour les Chinois, le centre du ciel, c'était le pôle. Avec Frances Wood, responsable du département Chine de la British Library, nous analysons le document. Donc, ça, c'est effectivement assez schématisé d'une certaine façon. La seule chose qu'on reconnaît bien, c'est quand même ici ce que nous appelons, nous, la Grande Ourse. Et dans la tradition chinoise, le ciel était effectivement le miroir de l'Empire chinois. Et l'empereur lui-même était au centre du ciel, le point immobile, le point autour duquel tournent toutes les étoiles, c'est-à-dire le pôle nord. Et à partir de ce point-là, on a toute sa cour, et les deux murs d'étoiles, les deux lignes qu'on le voit, en fait, sont les limites de la cité interdite, donc de la cité impériale où résidait l'empereur. Et toutes les constellations chinoises sont des éléments de l'empire chinois. Donc on a ici, par exemple, l'ombrelle de l'empereur, la partie par laquelle il sortait de son palais. On a ici l'armée des princes. On a même à l'extérieur de la cité interdite la cuisine céleste, la cuisine impériale. Proche de l'empereur, on a par exemple les quatre étoiles ici, qu'on appelle les quatre conseillers, qui sont effectivement indiqués ici par le nom de la constellation chinoise, Ce Fu, qui veut dire littéralement les quatre conseillers. Autrement dit, toutes les constellations sont nommées. La Grande Ourse est définie comme le char de l'empereur, c'est-à-dire l'empereur sort de chez lui, monte sur la Grande Ourse et parcourt le ciel pour, visiter, inspecter son empire, de la même manière que la constellation elle-même donc tourne autour du ciel en 24 heures. C'est donc cette correspondance très très étroite entre les phénomènes célestes ou les mouvements célestes et les activités politiques, tout à fait corrélées les unes aux autres et perçues comme une sorte de participation globale à un ordre universel ou la conception d'un cosmos organique, c'est-à-dire que le monde est perçu comme un tout dans lequel chaque partie est en résonance avec l'autre. Alors, la grande surprise qu'on a eue, et moi je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'a stupéfait quand j'ai fait les calculs, j'ai donc fait une grille et puis j'ai repéré la position des étoiles. Puis ensuite j'ai été prendre des catalogues actuels et puis j'ai vu où étaient les vraies positions. Puis je me suis dit, quelle est la projection? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une méthode qui a consisté à ramener ces étoiles sur le papier? Eh bien oui, il y a une vraie méthode, dans le sens que les échelles qui sont utilisées sont rigoureusement équivalentes dans toutes les cartes et sont exactes. C'est-à-dire que si on fait ce facteur d'échelle, si on le ramène en utilisant l'échelle qu'a utilisée la personne, on est dans une précision meilleure que le degré pour la précision des plus grandes étoiles. Pas pour tout, c'est vrai, j'ai pris que les étoiles les plus brillantes. Mais une précision du degré sur une carte complète du ciel, on ne l'avait pas à cette époque-là
ou connue ailleurs. Et c'est cette carte-là qui nous permet de dire, en reconstituant non pas par rapport au pôle, parce que le pôle n'est pas marqué, mais à partir de la position de toutes les étoiles, de trouver la meilleure position possible du pôle dans cette projection-là, et c'est ce qui nous permet de dire que c'est plutôt l'an 700 qu'une autre date. Voilà, donc c'est... voilà. Fascinant, incroyable. Pour les connaissances scientifiques de l'époque, c'est d'une haute technicité. C'est-à-dire que si on voulait le comparer aujourd'hui, ce serait un ouvrage assez théorique, puisque les notions qui sont manipulées là sont évidemment empruntées au taoïsme, à des concepts philosophiques, mais aussi à des concepts scientifiques réels, d'observation. Oui. Donc ce sont des travaux, finalement, de scientifiques liés à une observation vraiment assidue des phénomènes naturels. Oui. Et donc finalement... Par rapport au bouddhisme, ce qui était intéressant, c'est que c'est plutôt d'obédience, on va dire, taoïste. Absolument. C'est très différent. Absolument. Très différent. Oui, ça n'a rien à faire avec le bouddhisme. C'était plutôt scientifique parce que les taoïstes aimaient beaucoup. Ils étudiaient la nature autour d'eux, ce qui poussait, les nuages, les montagnes, les plantes et tout ça. Et qu'ils arrivaient à des idées plutôt scientifiques assez tôt. Bien sûr. À la toute fin du document, on trouve un dessin étonnant d'un archer qui tire une flèche et une annonce possible d'un document qui viendrait après, qui est signalé par son titre. La ligne d'écriture qui est juste à gauche de cet archer qui est représenté ici en costume militaire, justement mentionne un livre des éclairs ou des tonnerres. Donc, il y avait probablement plusieurs illustrations, il y avait probablement un texte qui n'a pas été copié pour des raisons que nous ignorons. Et sur la droite, cette fois, il y a deux caractères en taille assez grande et qui indiquent le dieu de l'éclair. C'est le dieu qui, du haut du ciel, décoche sa flèche et produit l'éclair qui va s'abattre sur la terre. C'est la doctrine des éclairs qui aura une importance assez forte dans le taoïsme. C'est la première représentation de toutes ces constellations qui n'étaient avant décrites. On vous disait, la constellation effectivement de la concubine de l'empereur, c'est trois étoiles près de telle étoile. Mais on ne voyait pas quelle forme ça avait. Et c'est là. Ici, c'est tout là. Ah ouais, il y a la fameuse, la fille qui fait... La tisserande. La tisserande, c'est ça. Ce document est intermédiaire, il est une charnière très importante puisque finalement on n'avait que des catalogues, après on a des cartes très abouties et on voit qu'il y a une continuité, qu'effectivement, et au milieu, c'est un miracle finalement parce qu'en fait il faut encore attendre 200 ans après pour retrouver, et en Chine même 300, puisque je crois que les prochaines... So it was obviously a work of importance when it was made, but we don't know where it was made. Whether it was made in Dunhuang or brought to Dunhuang, we don't know when that happened, and we don't know why it was there and why it ended up in the cave. So it's a mystery, but it is a fantastic document, and I think it sort of exemplifies what the Dunhuang cave contents are all about. This is just one document in 50,000. It alone is, as you say, it's a unique document of immense importance to the history of astronomy, of immense importance to our understanding of early Chinese astronomy. 自谓七度，至必十一度。余臣再有，为大梁。梁强也，八月之时，白露始降，万物兼成而强大，故曰大梁，赵之分也。 Datée du 7e siècle de notre ère, c'est la plus ancienne carte céleste que l'humanité ait conservée. Nous avons très peu de documents antérieurs et ils sont de nature très différente. C'est le cas du zodiaque de Dendera, trouvé en Égypte, ou du globe de Farnèse, daté de l'époque romaine. Un plafond gravé et un globe céleste, mais qui ne porte que des dessins de constellations et non pas la position des étoiles. Alors qu'on a longtemps pensé que la tradition astronomique s'était diffusée dans le monde à partir de la Grèce et du monde méditerranéen, il est peut-être possible de penser qu'il en était l'inverse, et qu'effectivement, la grande tradition chinoise d'astronomie a aussi diffusé vers l'Occident, en passant par le monde arabe, ses connaissances, puisqu'on voit que la carte qui a été produite à Dunhuang est un achèvement, d'une certaine façon, de la technique et des connaissances chinoises. 自流九度，至章十七度。余臣在午，为纯火；南方为火。炎五月之时，阴气始盛，火星昏踪，其行诸鸟之处，故曰纯火，周之分也。自毕十二度。
至今十五度，余尘在身，为时辰。言七月之时，万物雄盛，阴气沉重，降时万物，故曰时辰，未之分也。